Le vrai gars, bonjour. Ah, madame. Bonjour, madame. C'est ma dernière fille. Ah, maman jolie. Mais elle est belle, hein. Bon, tu sais, j'ai tellement d'affaires. Alors là, ça tourne, mais ça tourne pas bien. Alors, je suis venu te voir pour que ça tourne, pour que ça marche bien. Est-ce que tu comprends? L'argent, tout ce que je demande. Tu sais, j'ai tellement confiance en toi. Je suis venu te voir ce matin pour ça. Vraiment, je sais que tu feras quelque chose. Elle disait quoi, Elisabeth? C'est que je sais déjà pourquoi tu es venu ici. Ah. Madame, madame, tu dis, parle. Oui. Madame, ma tortue dit, tu as un frère en France. Il est gros, pas tellement gros. Il est déjà là. Il s'appelle Vieux Foulard. Il s'appelle Vieux Foulard. Non, tu es un dieu, non. Mais je te fais confiance. Non, c'est ma tortue. Moi, je suis rien, hein, ma tortue. Sinon, moi, quand il fait des trucs là, il a fait, il a fait quoi? Mon frère a fait quoi? En tout cas, tu veux être riche. Je suis déjà riche, mais je veux être plus riche encore. Est-ce que tu comprends? Tu dis, tu veux être plus riche même. Oui. Dépasser tout le monde même. Oh. Tu sais, mon bateau de pêche là, ça a une petite panne là. Une condition. Oui. Attends, il faut parler. Ouais. Bon, attends, tu dis, tu dois rendre ton frère là fou. Si tu acceptes cette condition, madame, il n'y a pas de problème. J'ai dépensé pour lui quand il était en France. Il est revenu, mais un parasite. Mais je te dis, à la maison, il ne fait rien. Matin, cravate, veste. Il dit ça au plateau, il s'en va à l'homme aussi. Je comprends rien, ça fait au moins 3 ans qu'il est là. Et puis, tu es venu. Il mange seulement. Voilà. Et si c'est pas ce qu'ils ont fait en France, là-bas, il n'y a rien. Pour les filles, c'est un moment, on va souffrir ensemble. Oh, vraiment. Bon, madame. Non, si c'est celui-là, il n'y a pas de problème. Il faut le prendre. D'accord. Il faut le prendre. Ah, mais faut pas pleurer après, hein. Parce que quelqu'un va devenir fou, là. Il va devenir fou même. Mais je te dis qu'il est indésirable à la maison. Il va attaquer n'importe qui de la rue. Oh. Un gros bonhomme, un gros gars, il dort dans la rue superposée de mes enfants. Méfie-toi, il va commencer sur toi. Méfie-toi, il va commencer sur toi. Sinon. Mais s'il commence, moi, je prends un gros bas pour le taper. Bon, madame, ma tortue dit, tu vas savoir, elle est fâchée, parce qu'elle n'a rien déposé même. Non, fais le travail d'abord, on verra. Tu me connais. Non, mais je te connais. Si tu veux, je te donne un dinar, un de mes bacs là. À moi? Oh, il va devenir fou. Il va devenir fou. Même quand il va enlever tout le monde au village là-bas. Bon, je vais te laisser parce que je dois aller au port voir mes bateaux. D'accord. Marie-Jo, ton nom qui mange toujours ton petit manger là. C'est elle, Marie-Jo là. Ouais, même quand il voit biscuit dans la main de mes enfants, il arrache. La musicienne change son nom. Je m'en vais. Bon, vieux foulard va devenir fou. Vieux foulard va devenir fou. Oui. Ah, je suis d'accord. Marie-Jo, adieu Jo. Mais elle est connue, hein. Yeah, madame, oh, le pays là. Tu sais, ceux qui ont construit le pays là, c'est ce qu'on va voir. Comment ça? Il faut regarder tout ça là. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, mais pays là, mais où ça va là même, tu comprends plus rien. Est-ce que c'est pour le pays là même? Est-ce que c'est pour le pays là? C'est pour nous, le pays nous appartient. Ouais, c'est pour nous tous. Hein? Comment ils... Eux-mêmes, ils m'ont mis dans la maison de 600 000 francs, ils ne peuvent même pas payer. Ah bon? Mais j'ai la facture ici. C'est pas possible. Hein? Il y a même, voilà, les volants au terrain là-bas. Tout ce qu'ils ont fait là, toi-même, tu as vu. Hein? 3-0. Tout ça là. C'est pas possible. Ouais, toi-même, tu n'as rien dit même. Mais je vais dire quoi? Tu veux que je dise quoi? Je vais te gifler tout de suite. Hein? Je vais te gifler. Non, seulement ça va déjà. Je vais te gifler. Regarde-moi ça. Non, attends d'abord. C'est pas comme ça. Je vais te gifler. Non, laisse-moi t'expliquer quelque chose de bon. Tu vas me supplier ou quoi? Qu'est-ce que tu vas me supplier? Ce qu'ils ont fait là, il faut que moi je te... Non, vraiment. vraiment. Mais moi-même, vraiment, j'ai... Mais hier même, voilà les gens là, ce qu'ils ont fait là. Mais vous ne savez pas avec moi, vous. C'est pas que moi vous allez faire ça là. Oh! Yo, madame! Qu'est-ce que c'est? Ah! Y'a quoi, monsieur? Bonjour! Bonjour! Ici, c'est deux plateaux, non?
Là, ici, nous sommes à la tranche ville. Mais le quartier à Bobo, c'est où? Vous partez à Bobo? Oui, je viens à Bobo. Allez, allez là, empruntez. Vous êtes l'enfant du député, non? Moi? Oui. Non. Oh là là, oh là là. Mais hey, Abidjan, ici c'est Abidjan. Nous sommes à Abidjan. Abidjan, je vais dans le plateau. Je vais là-bas. Mais conduisez-moi là-bas, chef. Hey, pardonnez. Hey, pardonnez. Allons dans le plateau. Oh, pas là-bas, oh. Arrêtez. Comment là? Patron Moussolo, Kanaké, patron Moussolo. A quatre gamins, Kanaké, à comparer. Dans le plateau. Abidjan, mais il y a trop de fous par regarder. Il y a trop de fous, Abidjan. Abidjan, mais il y a trop de fous par. Monsieur le maire, excusez-moi de vous déranger. Je viens vers vous ce matin parce que j'ai été agressé par un fou. Ah bon? Oui. J'aurais souhaité que vous mettiez quelque chose à notre disposition pour travailler. C'est quoi vraiment, ça va pas? Ils sont dans votre commune. Oui, oui. Il se trouve que ces fous-là, ce soit vos parents. Vous avez la possibilité d'attraper, amener-les au village. Moi, je n'ai pas d'autre solution pour ça. Mais monsieur le maire, on ne peut pas attraper un fou. Pourquoi? Mais j'ai tous les problèmes pour m'occuper des problèmes de fous ici. Hein? Je m'occupe de vous. Vous qui êtes normaux d'abord, de vos salubrités, de votre équipement. Et que je m'occupe des problèmes de fous actuellement. Ça fait trop de problèmes pour moi seul. Et t'as gêné. États-Unis. Oh les fous là. Oui. Il y a le conseiller, M. Bazot, qui veut nous emprunter. Monsieur Bazot. Bon, faites-le entrer. Monsieur le maire. Conseiller, ça va? Ouais. Asseyez-vous. Alors, ça va chez vous là-bas? Ça va un peu. S'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici pour se plaindre pour le problème des fous. Mais vous savez, avec le budget qu'on a, on ne peut rien faire pour les fous. Mais comme vous êtes venu, que vous êtes un conseiller municipal, je vais voir. S'il y a trop de fous dans votre commune, vous voyez, bien, ça c'est pas bien pour le tourisme. Ça compromet quelque chose. La sécurité de nos administrés et tout cela. Voilà. Abobo! 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 Mais où j'ai mis mon lacré là? Hein? Hey, vous là, si vous tombez là-bas. Hein? Attends. Y a quoi? Ah, j'ai croisé Eric sur la route. Il est en train de pleurer. Pourquoi? Ça là, j'ai vu dans sa main. Mais l'argent j'ai donné pour acheter les livres à Ous. Non, il a tout acheté. Mais il manque un seul livre. Le livre d'histoire. Livre de quoi? Livre d'histoire. Histoire. Ouais, ouais. Ça quoi déjà, on a lui à renvoyer comme ça. Ah, mais c'est affaire de honte. Comme peut-être ses camarades ont tout ça là. Lui n'a pas ça, il lui plaît. Non, c'est histoire. C'est histoire même, livre d'histoire. Il a vu ça, il dit ça chez sa maman là-bas. Ah bon d'accord. Bon ça, comme je vais sortir là, je vais ranger la poussette en même temps. Ah, mais tu prends pas la liste. Ah non. Livre d'histoire, hein. Ouais, ouais, tu dis histoire. Ah. Faut pas acheter l'autre livre. C'est pas histoire. Ouais, ouais, c'est histoire. Ah. Hey, mon bébé, ça va? Oui, ça va bien. Ah. Vous cherchez quelque chose? J'ai cherché un livre où on fait palabre, là. Livre de palabre. Livre de palabre? Ouais. Ah, ça va, si j'ai gagné. Parce qu'on dit qu'on ne gagne pas. C'est pas ça, là? Non, c'est pas ça. Je connais son couleur.
façon de vie là, il faut parler dessus là. Ok, attendez. C'est ça. Ça c'est quoi ça? C'est pas éclaté là. Non, 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 ça c'est pas parole comme ça là. Ça c'est vrai, vrai parole même. Ah bon? Ouais, ouais, où on fait Yishua là même là. Non, il n'y en a pas. C'est ça, il y en a. Ça, je vais chercher l'autre côté là. Isabelle, Isabelle, il ne faudrait pas être en retard aujourd'hui encore comme hier. Hein. Faut bien me faire les choses rapidement. Qui est là? Oui, André. C'est moi qui suis là. Ah, doyen, où est-ce que tu es? Vraiment. Je suis très heureux de te voir ce matin. Ben, je n'ai pas croire que vraiment je vais te trouver. Hein. Ah, vraiment, je m'apprêtais à sortir. Ouais, ouais. Assis-toi. Vraiment. Tu viens de, du village ou bien? Non, non. C'est à contre de les choses là. À contre de leur entrée là. Ah, Isabelle, hein? Apporte de l'eau là pour tonton là. Mais c'est pas possible. Ah, j'ai pensé à toi-même. Le... Ah, ok. Ah. Façon, j'ai à souffrir dans Pidjana. Ah bon? Ah. Merci. Ah, c'est pas possible. Et tes enfants? Ah, là, ils n'ont appris. Les gens là, mais ah c'est bon? Les rentrées là. Ah, la rentrée là, mon cher? Ouais. Ça frappe tout le monde. Façon, j'ai à souffrir. Ah. Ça, c'est dans toutes les boutiques. Oui. Ça, c'est les livres de palabres, là. Ah, les fournitures, là. Ouais, ouais, livres de palabres, là. On a sarcé, même sarcé partout, même. Livre il y en a de pas. Quoi? Palabres, là. Ça, c'est un nouveau livre, alors. Ouais, ouais. Ouais. Ah, voilà. Pardon, moi, comme mes enfants sont dans les grandes classes, tout ça, là, je connais. Ouais, ouais. Pour moi-même, il est dans trois, là. Troisième. Ouais, ouais. Il passe au brevet cette année. Hein? Il passe le brevet cette année. Non, non, non. Troisième, toi. Trois, là. Classe 3, CP3 là. C'est là-bas, il y a... Ah, on dit c'est... Ah, bon. Donc, il y a un livre là, on dit livre de palabres. C'est ça la main que je livre me suis de chercher même. De... Quelle classe? CP3 là. Ce que tu as dit là. Non, en tout cas... C'est un chien. Karaté ou bien quoi? Parce que j'ai des... Ouais, ouais, c'est palabres là même. Ah, mais donc... on ne trouve pas, hein. Ah, donc c'est ça, il prend maintenant aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, attends, je vais te montrer. Ah, bon, voilà. En tout cas, j'ai des documents de karaté là. Ouais, ouais. Après, je n'utilise plus. Ah, bon. Il peut leur donner, il peut... Parce que de toute façon, on a frappé mon enfant là, l'année ouais. qui a passé là. C'est pas ce livre donc, comme ça, ouais. Non, 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 c'est pas ça. Tu dis livre de palabres. Ouais. Donc c'est un nouveau livre ou quoi? Ouais. Ah. Donc, c'est ça que même mon petit là même il m'a... C'est les maisons d'édition là qui ont édité ça cette année. Voilà, voilà, c'est ça. Ah, voilà. C'est ça. En tout cas, est-ce que tu n'as pas la liste des fournitures avec toi? Où ils ont crituré. Voilà, où ils ont donné la liste des choses à acheter. Là. Ah, voilà, Zoutima. Voilà, c'est un livre de parabole là, vraiment à ma connaissance. Voilà. Ça peut exister, ben. Zoutima, parce que c'est là même on a mis... On attends, a cloché. On a qu'à regarder à ça. Où est ça? Attends, j'ai un bic ici. C'est quel? Tu as tout acheté là? Oui, mais où on a mis... où on a accroché là? Je vois. Lecture, livre de lecture, livre de géographie, livre de sciences, livre d'histoire. Ah voilà, de... c'est ça. Hein? C'est du choix là, c'est du choix là. C'est ça, c'est du choix là. C'est du choix. Non, c'est livre d'histoire là qui est livre de parole. C'est pourquoi tu as rigolé. Du choix. On dit histoire là, c'est-à-dire affaire qui est passée. Parce que moi-même, quand j'apprends camion là, petit donc à tu as cherché ça dans les librairies déjà. Mais j'ai fatigué même. Tu as fait 3 semaines, tu ne vas pas trouver dans une librairie. Mais il faut dire livre d'histoire. Mais je vais te montrer même pour mes enfants même ça y est là. C'est pas ça là. C'est pas ça là. Ah si tu vas voir les vieux là. Donc moi mais j'ai accroché que les vieux là même c'est pas là Michel. Non. Tu n'as pas vu. Ah ça là si tu dis palabre, tu vas faire 3 mois bien si tu vas pas trouver. Mais il faut regarder vieux là même. On dit ils sont venus pour non, faire palabre. Non tu vois ça là c'est l'histoire. C'est-à-dire ça là, ils ont fait ça avant nos ancêtres. Donc ils ont mis la photo là. Ça c'est une photo d'histoire. Ah, ce qui est déjà passé. De toute façon, là, ils ont venu là. Là, ils ont arrêté comme ça. Est-ce qu'ils ont vu faire par là? Est-ce qu'il y a matière dans la main de quelqu'un ici? Ah, mais ils ont fâché tout ça. Est-ce qu'ils rigolent là? Il faut regarder. Bon, voilà. Là, ils rigolent. Tu vas te donner ce livre-là, cadeau. Ah, non, mais. Tu vas le donner à ton fils. Au lieu d'aller chercher le livre de palabres pour souffrir à Béguin ici, gâter tout ton argent. Voilà.
tu prends ça cadeau. Ah, merci, viens pour là. Hein? Donc c'est quoi mes bidons où j'ai passé la main, Yana? Ah bon? Parce que quand j'ai rien passé dans la librairie. Ouais. J'ai demandé des livres de palabres, ils ont enlevé Karaté. J'ai dit non, mais c'est pas. Moi aussi, j'ai fait Karaté, donc hein? Je t'ai montré Karaté aussi. Oui, c'est la même, j'ai avis avant que je n'ai qu'à me venir là. Ouais. J'ai avis pour son camarade là. Ouais. Et j'ai vu les vieux là qui est venu pour faire parole là. Parce que moi, j'apprends que ça c'est bon. Non, ça c'est calme. Ça c'est une calme. C'est en or. Ça n'entre plus maintenant. Ça, moi, j'ai appris que c'est palabre. C'est quoi, comme on a dit, Ishoa là. Bon, bon d'accord. Donc, ouais. Vraiment, je sais que tu as souffert pour. Ah non, non, je me suis souffri. Hein? Donc, bon. Tu vas rentrer maintenant, non? Oui, oui. Bon, attends, je vais t'accompagner à la gare. D'accord. Tu as bien sûr que tu vas rentrer. J'ai ici maintenant. Ah bon? J'ai ici. J'ai chez mon petit enfant là. Ah, ok. Ouais, ouais. Et j'ai mon casse à quatre. Ah, Bassier là. Bassier, ouais. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, hein. Ouais. Sinon, on dit livre d'histoire. On dit pas livre de palabres. C'est le soleil qui nous fatigue. Ah, ma belle. Je connais votre fille là, dehors là-bas quoi. Ouais, ouais. Mais c'est moi ici responsable. Ah. Donc je ne peux pas sortir avec une fille sans connaître ses parents. Ça c'est un respect. Ouais, c'est pour ça que je suis venu à la maison, pour que toi aussi tu puisses me connaître. Ah. Voilà. Donc je veux vraiment faire du sérieux avec ta fille là. Ça c'est. Mais vous êtes à quelle région là? Moi je suis dans Zopé. Ah, Zopé, hein? Ouais. Mais j'ai demandé quel prier vous faites là. Ah, non, je suis là-bas, mais je fais chose quoi. On a même chose. Ah, donc ouais. Vous êtes. Ouais. Musulman, quoi. Ouais. Ah, non, non. Allez, t'en vas. C'est Cissé. Ah, Cissé. Oh, ouais. Reste là. Tout le monde. Ouais. Ouais. Non, c'est bien ça. Ouais. Et vous faites à quel travail? Non, je suis comptable. Ah. Oh ouais. Ça c'est bon l'homme. Ouais. Parce que maintenant il y a trop de bacabons. Oh ouais. Non, je suis content. Elle connaît ça. Ah bon d'accord. Oh ouais. Ah non. Sinon tu as venu. Tu as. Ouais. Mon privé là. Si si. Ah bon d'accord. Voilà la clé, ouais. Ah ouais, ouais. Ouais. Elle connaît tout ça. Ah bon. Ouais. Sinon moi-même je prie normalement. Ah bon. Oh ouais. Donc vous êtes carré, hein? Ouais. Tout. Ah bon d'accord. Ouais. Ah bon. Ça c'est forcé. Bon. Ouais. Mais je vais. Je vais coucher en paix, quoi. Ok. Ouais. Toi, tu as vraiment raison. Et toi aussi, je ne disais pas ça. Après, je suis musulman, là, mais chassé. Ah bon. Hé? Tu as vu? Il a vraiment demandé si je suis vraiment musulman, hein? Et ça, s'il sait que tu n'es pas musulman? Non, il ne saura pas, de toute façon. Avant de venir ici, maintenant, ce que je vais faire, je vais me mettre à boubou. Ça veut dire, je peux sortir de chez moi, là-bas, comme ça, quoi. Mais arriver sur la route, oui. Je me mets à boubou.
Puis je viens à la maison. D'accord. Alors, faut pas qu'il sache, hein. Non, il ne saura pas. Même s'il fait prière, même si je ne connais pas la prière, je vais me débrouiller, on va faire ça ensemble. D'accord. Faut pas rire, hein. Non. Ah bon. Hello! Akbaru! Mais maman, j'ai gardé, Hello, Akbaru! T'as pas créé ça, bah, il n'a qu'à ça, ou toi, n'a qu'à ça, ou toi, j'ai pas, oh, badaini, Il n'a pas la chèvre, 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 il Si te agajona yona la goma noa wudina bizmina goma de yuma goma na 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 Je vois que vous avez un bon élève, vous avez un bon élève. Tu as reçu l'argent d'hier là? Oui, on m'a donné ça. Tout le vieux te demande, faut rien dire. Faut dire que c'est. Que ton père va lui dire que je bois, je fais quelque chose. D'accord. Parce qu'on va bientôt faire le mariage. Bon, apporte-nous là, il y a foutu là, non? Oui. Alors, Cissé? Ton Cissé là, écoute là, hein? C'est pas ici, hein? C'est où ça, Cissé, alors? C'est chez elle. C'est chez elle là-bas. Ici, c'est un vieux foulard. Vieux foulard, mais t'es trop fort. Comment? Ça, c'est une technicienne, ouais, la petite. Elles ont dit que tu es technicienne, hein? Enfin, un peu. Vieux foulard. Alors, maintenant, elle est à l'aise. Si tu pouvais faire la face, ça serait bon. Le vieux. Nous sommes. Oh, écoutez. Non, nous, ça fout du vieux. Nous emmène, il y a carré, il ne pas. C'est quoi ça? Eh, mais Mounegna! Écoutez! C'est quoi ça? Emmanuel, tu connais pas du vieux. Ne viens, tu vois. Vous sortez de là. Si c'est. Je mange là. Attends. Eh, mais Mounegna! Gabou Soumane le veille, il m'a fait que si c'est le veille. Le patron ne peut pas te citer devant nous. Attends, oh. C'est Coca-Cola. Et blé, Koro, et comme. Dengoro. Mnata, Timia. Viens, c'est Coca-Cola. Et Timia, Mnata. Et viens, au nom de Dieu, c'est Coca-Cola. Mnata, et Timia. Dengoro, Marubari. C'est Coca-Cola. Et Timia. Viens. Et Timia. Viens. Et c'est quoi? Voilà, elle est d'un gros écran qui a ses fleurs, il y a le courant. C'est Coca-Cola, c'est le couillon là, il dit quoi là. Voilà, elle est là, qu'on sort. Elle m'a reparti. Il y a le bandit là, il se réveille matin bonnet pour. Il dit, il vient me saluer. C'est quel jour il y a salutation entre toi et moi? Je donne la banane. Quoi? Donne-moi ça. Monte. Non, là. T'es quoi? Quoi là? Mais à Abidjan, il y a quoi là? Ah, ça va pas là-bas. Hein. Ton travail, on dit quoi? Non, ils m'ont pas renvoyé, mais seulement ça va pas. On a perdu quelqu'un. Mais si tu as perdu quelqu'un, va voir le docteur là. Moi, je vais faire quoi? Ici, il n'y a même plus café cacao. Faut voir ton frère docteur là. C'est pas ça. J'ai dit, notre frère docteur est mort. Notre frère Nyamakoudji Benoît. Ah! Oh!
Tu dis quoi? Caro, il est mort hier à 22h. Il t'est. C'est docteur là même. Zoli, oh! Zoli! Zoli! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ton ami qui est au fond du village, là, il m'a dit de te donner. Non, 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 qu'est-ce qu'il y a? Benoît est mort. Que Benoît? Mon fils est docteur, là, il est mort. Où? Non, où? Mais je suis moi, qu'est-ce qu'il. Il a eu quoi? Pardon, va courir, va chercher, va appeler les choses. Bazo, mon ami Bazo, là, il n'est qu'à venir vite. Oh! Oui, oui, je suis mort. Oh! Comment on va faire? Y'a quoi? On dit quoi? Hein, on dit quoi? Benoît n'est pas ici. Son frère qui a bien. Benoît n'est pas ici. Benoît n'est pas ici. Benoît est mort. Benoît est mort. Docteur là. Docteur est mort. C'est celui en compte. Il est mort il y a 22h30. Mais je suis guéri. Mais je suis mort. Mais tu pourras même plus parler dans ce village. Hein? Mais je vais parler avec qui? Benoît est mort. Ça mort, mais fais-moi. Je prends ton sac, là, ton gros sac. Ma lettre là. On dit quoi? Toi-même. Qui est mort? Asseyez-vous d'abord, asseyez-vous d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Bazo, c'est Benoît qui est mort, docteur là. Non, il m'a rougi Benoît là, docteur là. Oui. Je vais me tuer, je vais me tuer. Je vais me tuer. Je vais me tuer. Toi, tu devais être content. Mais c'est toi qui vas laisser. Tout ce qu'il va laisser là, ouais, c'est toi qui prends. Le tout, ça va à Bigan. Toi, où tu vas? Je vais à Bigan. Vous là, vous autres là. Non, 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 Je crois que tu as envoyé Claclo au village pour avertir son grand frère. Oui, oui. Ils doivent arriver probablement ce soir ou demain. Ça va. Vraiment, c'est dur, c'est un coup dur. Qu'est-ce qu'on peut rien. C'est son frère, même. Si, il se ressent. Mais je sais. Bon, après, ça y est, on fait vite là-bas, là, devant la nuit. Il y a combien d'enfants? Il y a quatre. Quatre. Quatre enfants. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il va pisser. Tu vas pisser? Faut le suivre parce que je le vois. Non, 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 c'est mon oncle ici. Attends, 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 att
Envoyez de l'eau. Tu ne vas pas me laisser aussi. Envoyez de l'eau. Il est blessé. Son frère a laissé quatre enfants là. Apportez de l'eau. Envoyez une rouge. De l'eau. Il n'y a pas une rouge. Envoyez de l'eau. C'est bon. De l'eau. Est-ce que tu as amené quelque chose pour faire partir le corps au village? Oui, moi j'ai déjà dépassé. Maintenant, il y a café là, on ne jetait pas. Il faut demander à son ami si ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas un vrai docteur. Mais c'est ça, je n'ai pas. Quel travail il fait? Donc, je ne suis pas en train de dénigrer mon ami, paix à son âme, mais c'est un garçon de salle. Excusez-moi, je suis obligé de le dire. Non, il n'est plus que docteur. Mais les garçons de salle, c'est eux qui nettoient les carreaux des hôpitaux. C'est eux qui nettoient les WC. Mais au village, tout le monde est au courant qu'il est docteur. Ouais, mais c'est parce qu'il travaille à l'hôpital. De temps en temps, ceux qui travaillent à l'hôpital. Quand ils en vont au village, ils appellent docteur. Mais l'homme qui travaille à l'hôpital, il n'est pas docteur. Non, c'est pas tout le monde docteur. C'est toi qui appelle docteur. Il avait carreau. Hein? Je ne suis pas en train de le dénigrer, madame. Mais je suis obligé de le dire. Vraiment, dans son salon, c'est ce que vous avez trouvé qui est là. Je n'ai pas imaginé. Il n'est pas vraiment mort. Hein. Pourtant, tu as dit au village là-bas que tu vas venir. Tu vas envoyer dans le cas le frigidaire, télévision, tout ça là. Ah non, c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça que vous êtes venu. Ton frère a laissé des enfants. Quatre enfants. Moi, c'est mon frère. Tu prends les enfants, tu cherches la télévision, tu cherches le ventilateur, tu cherches le ventilateur, et les enfants. Non, c'est toi qui l'as tué alors. C'est toi qui l'as tué. C'est toi qui l'as tué. Doucement. Non, mais moi, ça m'étonne. C'est un sorcier. Tu es un sorcier. Pourquoi tu cries sur mon mari comme ça? Un sorcier. C'est lui qui l'a mangé. Mais c'est pas ça. Quand lui voulait se tuer tout à l'heure, c'est à cause de la télévision. Il a fait quoi dans Abidjan là? Quel travail il fait? Voilà. Et puis il vient parler de docteur. 15 ans. Mais il faut lui faire comprendre. Mais je lui fais comprendre, celui qui a tué son frère à cause de télévision, à cause de frigidaire, à cause de ventilateur. C'est pas normal. Nous sommes au funeral. Tu viens pleurer ton frère et tu demandes où sont les télévisions. Si je me suis au courant même que... Vraiment, il n'a rien. Ce type là, si on met Gopo dans ses yeux, il va mourir. Il va mourir. Ça va, c'est quoi? Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est pas. Le vieux va. Bon, ça veut dire quoi? François, Basso, allons au village. Vous prenez votre. Écoutez, non, tu vas pas fuir le funéraire de ton frère. Non, tu vas pas fuir le funéraire de ton frère. Ah, la go. Non, tu es une force boue, hein. C'est que tu m'as fait hier. C'est quoi ça? Excusez-moi, monsieur. Non, 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 quelle excuse? Je n'aime pas de trucs comme ça, hein. Excusez-moi. Regarde-moi ça. Tu viens ce tu me cognes, tu dis que je n'aime pas vers ce vrai. Mais veuillez m'excuser, monsieur. Mais regarde, est-ce que tu sais qui je suis? Non. Hein? Est-ce que tu sais qui je suis? Non, mais excusez-moi, je parle. Non, 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 je te demande, est-ce que tu sais qui je suis? Non, mais écoutez, hein? Monsieur, vous n'avez regarde-moi pas... Regarde-moi ça. Je n'ai pas de choses comme ça, hein. C'est pas ça, Wentz. Mais regarde-moi ça, un couillon avec ta vieille voiture. Ouais. On sait, ouais. Ce n'est même pas sa voiture. Il n'y a pas une coin. Sauf pas comme ça. C'est pas pour... Allons, allons. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est qui je suis? Mais tu as fait quoi juste même? Moi, il ouvre la porte, ça c'est contrôlé. Il faut les laisser. Tu sais que. Regarde-moi ça. Ils sont toujours gonflés là. Laisse-moi, j'ai parlé. Regarde-moi ça. Je n'aime pas ça, hein. Hey, maintenant, c'est pour ta soeur, c'est pour ton père. C'est mon grand petit loup, maintenant, là. Vous n'aimez pas le respect des gens. Hey, qu'est-ce que tu dis ici? Toi, là, qu'est-ce que je viens d'entendre? Hein? Mais pourquoi le père? Que maintenant, elle ne m'appartient pas. Hein? Donne-moi pas ici, même. Toi, on te donne pas ici. Toi, tu t'habilles. Mais qu'est-ce que tu t'habilles? C'est quoi, Mathé? C'est quoi? Je n'aime pas le vin.
là-bas dans cette maison, ton frère là. Qu'est-ce qu'il a fait? Là-bas, qu'il a, il a acheté au marché. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, je me permets de dire à ma petite soeur que moi, la maison ne m'appartient pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu le dis à ta. Je t'en ai dit, elle me parlait. Mais après tout, c'est un homme. Elle me parlait comment? Tu m'as appelé pour me dire. J'ai dit, après tout, c'est un homme. Après tout, c'est un homme. Je m'en fous, il même est quel si, homme. Même quel si, homme, mais... il cherche même pas à travailler dans le salon des gens ici. Oui, mais c'est pas. Hein? Il peut pas aller voler le travail. Il est là même. Il peut pas aller voler le travail. Tu comprends? Mais après tout, c'est un homme. Il faut le laisser dormir. Hein? Il n'est pas encore jour, vous ouvrez la porte du vestibule. Quand on doit être bête, là, on est petit de taille. Oh, non, c'est quand on est gros comme ça, là, on veut pas naître. Et de la chambre. J'ai dit de rentrer de la chambre. Ah, tu m'as mettre. On va te faire voir dans la maison. Tu dis quoi, ton frère, là? Après, tu n'as pas compris. Mon petit frère. Il n'a pas allé chercher à travailler. J'ai dit de partir là-bas. Alors, pour vous, je dis, je mange la même. Et on ne respecte même pas. Regardez. Bon, tu vas aller. Voilà le directeur de l'école là pour les. Moi je le connais, même. Hein, pour les enfants, tu vas aller là-bas. Et pour les trois quarts des enfants là. Hein? Grand frère, je n'ai même pas de pantalon, c'est le seul culotte hier là. Oh, il n'y a pas de problème, je peux te donner un pantalon. Et puis, et les chaussures, ça va? C'est tout ce que j'ai. C'est rien, je peux te donner. Ça peut aller avec toi? Il faut ici. D'abord, on doit avoir la même pointure. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Bon, tu vas, tu dis que c'est. Je viens de la part. Ouais, je ne manquerai pas. J'ai dit son petit frère, c'est mon ami. Voilà. Ça, je vais voir ça, je vais voir. Bon, tu sais, tu es chez toi. Problème des femmes, il ne faut pas écouter. Non, non, non. Hein? Et quand il est 6h du matin comme ça, 5h, enfin 6h du matin, tu vas à la main d'œuvre comme tes amis. D'accord. Hein? C'est là aujourd'hui, tu n'es pas. Demain tu travailles, elle va te respecter. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Mais ne pense pas autrement. Hein? D'accord. Je suis là, je peux te donner tout ce que tu veux. D'accord. Il y a la main pour partir. Attends, tu sais que ton frère est lourd et tout, tu le prends. Regarde comment il pèse sur moi. Tu sais qu'il est lourd. Merde. Et puis tous les matins, il n'est pas encore juste tout, tu ouvres la porte. Nous ne sommes pas là pour ça. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame, faites quelque chose, ça ne va pas. Donne-moi le thermomètre et puis le cadet. Tu as mis ça encore. Merde. Et il n'y a pas de chaise? Non, allons-y dans la salle là-bas. Ah, dans la salle. Tu vas prendre ta température là-bas. Mais il n'y a pas quelqu'un pour m'aider là. Ah. Il est lourd. Tiens, il est lourd. Merde là. Il est lourd. Ah. Bon, je m'en vais voir au service. Hein, je vais prendre un peu d'argent et je reviens tout à l'heure. D'accord. Hein? Fais vite. Hein. Oui. Bon, porte-toi bien. Hein. D'accord. Hein? Je m'en vais prendre un peu d'argent. D'accord. Ah, faut pas m'opérer. Hein. On va pas vous opérer, monsieur. Oui. Bonjour, madame. Ah, bonjour. On passe là, s'il vous plaît. C'est le malade. C'est mon frère qui est arrivé. Bon, mettez le pied sur le mur. Faut pas m'opérer. Hein. Mais c'est tranquille là. Oh, pourtant la tension est normale là. Il dit qu'il a mal au rein. Pourtant le cœur va très bien. Bien, monsieur. Je crois que votre examen ne présente rien d'anormal. Mais je crois que cela nécessite un cas d'hospitalisation. Eh bien, je vais essayer de prendre d'autres appareils pour bien contrôler ce qui ne va pas. Hein? OK. Bon, je ne peux plus vous lire. Touche-toi, c'est moi. Oh, Jenny. Mais tu es malade, Non, je vais m'asseoir un peu. Regarde, j'ai dit, faut pas le docteur là-bas se fâcher à nous. Mais couchez-vous, monsieur. Le docteur dit qu'il revient, couche-toi. Ouais, hein? J'ai dit. Tu es malade, couche-toi. J'ai dit, est-ce que le monsieur là, il travaille ici? C'est lui notre patron, c'est lui le chef d'ici. Mais tu as déjà vu qu'il est docteur, non? Tu l'as pas vu en blouse. Couche-toi. Ah bon? Donc, il y a longtemps, il est ici. C'est lui notre patron, même, c'est pour lui. André, mais couchez-vous, monsieur. Non, j'ai un peu chaud là.
Donc est-ce qu'il va revenir? Le docteur revient tout de suite, couchez-vous. Il va revenir. Viens, couche-toi. Ah bon, attends, je vais voir. Madame, mais votre mari, ça va pas, il est mentalement malade. C'est pas quoi? Mon mari, c'est mon beau, mais je n'ai rien compris aussi. Mais c'est pas possible, il fuit comme ça. Il est là, le malade? Il vient de fuir. Il a fui, il est il sorti. Il a fait quoi? Il vient de fuir, docteur. C'est un malade mental docteur, ou quoi? Docteur, en tout cas, faites quelque chose. Il est malade dans la maison, mentalement? Non, il était normal ce matin. Il a quitté le lit comme ça? Il a fui. Avec les chaussures à la main, tout ça, il a commencé à courir. Bon, ben tant pis, je ne veux pas se faire soigner. Dis donc, docteur, faites quelque chose, pardonnez. Ah, mais on ne peut pas courir après lui, madame, je vous en prie. De quoi? Monsieur, mets sur ma tête. De quoi? J'ai failli la mort? En bon? Ah, vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est comme ça qu'ils font pour tuer les gens. C'est pas moi, hein? Qui ça? Je t'avais dit que la semaine dernière, j'ai fait parler avec quelqu'un. Là. Oui, oui, tu m'as dit ça. Au carrefour, là. Oui. Tu as failli me cogner la voiture. Oui, tu t'as frôlé un coup, là. Ouais, ouais. Ouais. Déjà, c'est un docteur. Un quoi? Un docteur. Un docteur? Où on m'a hospitalisé, là. Voilà. Hein? C'est le monsieur qui est venu me voir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a fini de me voir tout, il dit ça en cherchant à pareil. Pourquoi tu es parti? Hein? Qu'est-ce que tu viens de faire là? C'est docteur, donc c'est maman, tu cherches. Quoi? Il a oublié ça. Est-ce qu'on peut oublier par là? Ça fait un mois. Non. Mais lui, il a porté un serment. C'est fini, qu'est-ce qu'il va te faire? Quel serment? Je suis guéri, oui, ici. Regarde ce qu'il fait. Attends, tu me connais? Ouais, hein? Tu es mon grand frère Passagnon, est-ce que je ne te connais pas? Oh. Mais il est normal? Je suis normal, est-ce que tu as dit ça? Il est normal comme ça, il dit ce qui s'est passé à ton absence là. Bon, allons voir le docteur. Allons voir. Non, j'ai dit, attends, c'est quoi? Attends, je vais t'expliquer. Forcez-le, on va partir. Non, moi je ne vais pas loin. En tout cas, forcez-le. Prends le docteur, prends le docteur. Ah, attrapez-le. Tu as dit, qu'est-ce que tu as dit hier nuit là même? Parce que je n'ai pas bien compris comme j'avais sommeil là. J'ai eu de faire la chose là. De faire quoi? J'ai eu de couper la tête. Donc c'est toi qui vas me dire de couper la tête? C'est moi qui vais te dire de couper la tête. Si tu ne coupes pas, je vais partir. Non, c'est à cause de partir là, je ne peux même plus respirer. Tu sais, tu veux, il faut partir? Je vais partir et d'ailleurs je m'en vais. Comment ça? C'est pas avec ça là. C'est pas avec ça là, j'ai eu mes enfants là. Chantal, où tu vas là? Ah! Mais quel est le démon qui est tombé dans sa tête? Regardez. Ah. La lycéenne là t'a colonisé. Depuis que tu es avec elle, mais tu ne sens même plus. Ah. On dirait que tu n'es pas content. Monsieur, ça ne va même pas du tout. Ça ne va pas. Mais hier soir, on était ensemble, tu ne m'as rien dit. Si le problème veut arriver là, on attend 3 jours. Mais après ton départ, ça peut arriver. C'est à la maison ici ou bien? C'est à la maison. Ah, on dit quoi avant? C'est pas la jeune fille que j'ai pris là. La lycienne là? Ouais. Ah, vraiment, c'est pas possible. Elle dit quoi? Elle me dit d'enlever. Donc comme elle est jeune, elle ne veut pas faire enfant. Elle dit d'enlever ça là. Elle dit c'est affaire d'enfant. Si elle était plus, je l'ai connu la main, je n'ai même pas encore viabilisé, tu vas pas me dire c'est faux. Tu dis quoi? Non, c'est non, tu cherches dedans. Ah mon cher, c'est ça, on dit maladie qui veut tuer chien, c'est ça qui vient ici. C'est ça qui est sur moi là. Donc ton agent c'est cadeau. Elle me dit d'enlever la tête. Quoi? Ah, et tu n'as rien dit. Mais je lui ai dit quoi? C'est ta tête, elle veut prendre pour aller faire sacrifice. L'argent tu lui donnes ici, ça ne suffit pas ou bien? Elle veut avoir l'argent plus de temps. Je ne veux pas faire d'argent, j'ai avec un coup d'argent, mais elle ne peut même pas me faire par là. Sinon, elle me dit, ce n'est pas ma tête moi-même, hein. La tête de Bakaro Kumba, là. C'est dit d'enlever. toi, tu savais, ça, j'ai donc, eu mes grands-enfants. Là. Donc, elle ne les connaît pas? Non, elle ne les connaît pas. Mais je t'ai dit, depuis, je la connais, je veux viabiliser, elle ne veut pas. Et un jour, elle a vu ça. Maintenant, elle a vu, elle dit, tant que je n'ai pas enlevé la tête, là, je ne peux pas. Mais dans ça, là, mais je ne comprends pas. Tu as enlevé où? Tu n'as pas enlevé où? C'est même l'eau là qui sort. Moi, c'est pour cela que depuis là. Est-ce que tu me vois avec les jeunes filles là? Non, tu as tué ta vieille là. Il a dit tu as raison. Ah, mais de parce façon. Le problème là, c'est pas petit. Comme tu as déjà mis ta tête dedans, tu peux plus enlever. Mais vraiment, je l'aime. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Ah. Donc, enfin, il faut exécuter. Il faut faire ce que tu as demandé quoi. Mais je vais faire comment? Non, c'est moi. Il faut enlever. Mais il veut enlever ça où? Non, là, c'est pas un problème. J'ai mon ami là. Le médecin là.
Ah, un jour on est passé. Ouais. Voilà. Ah donc c'est lui, il enlève aussi. Comment? On dit, mais c'est puis tu me demandes encore. Bon. Mais avant d'aller là-bas, il faut prendre ton téléphone et passer, il ne faut pas les gens vont savoir. Après ça. Ah ouais. Là, c'est bien. Donc tu m'attends. D'accord. On s'y va là. Tazo, tu m'attends 2 minutes là. On est ensemble. Ah, vous êtes ensemble pour entrer là. Le tribal est là. Ouais, j'ai dit ça. Enfin, docteur, ça fait 2 semaines et j'ai pris une jeune fille là. Je l'aime très bien, donc vraiment, je suis obligé d'accepter toutes ces conditions. Alors, elle m'a dit d'enlever. Donc, si je n'enlève pas, en tout cas, je ne peux rien faire. Alors, j'ai tous ces problèmes-là. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Ah, donc, si je comprends bien, vous voulez faire un culottage, quoi? Non. Elle m'a dit d'enlever la tête. Enlever la tête, c'est-à-dire? La tête de Bakary Koumba. Vous êtes devant le docteur. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Devant le docteur, on cache rien. Ça, c'est vraiment un jargon social. Je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, en bas, là, voilà. Comme je n'avais pas coupé. Ah, si je comprends bien, vous voulez vous faire circoncer, quoi. Ouais. C'est pas un problème. Mais depuis, vous l'avez dû faire ça, depuis votre jeune âge. J'avais peur, docteur. Ah, et maintenant, de toute façon, c'est pas conseillé à cet âge-là. Mais quand vous êtes dans l'obligation, ben, vous serez obligé de faire ça. Non, vous en faites quelque chose, sinon, si ça ne s'est pas enlevé. Est-ce que vous n'avez pas peur? Ça fait un peu mal. Vraiment, je vais vous faire. C'est quel nom déjà? Moïtin Pierre. Enfin, je vais vous prescrire une ordonnance et puis après vous allez acheter les médicaments pour suivre le traitement. Quoi. Merci, docteur. Mais je crois que ce n'est pas beaucoup conseillé à votre âge. Mais enfin, quand vous êtes dans le besoin, ben, on sera obligé de vous faire ça. Vraiment? Il faut que je le fasse. Parce que je ne vais pas gaspiller mon argent cadeau sur une jeune fille comme ça. Là. Ok. Moi-même, je lui ai dit ça. Mais est-ce que vous êtes prêt ce matin? Oui, docteur. Ok, bien, venez. Passez l'ordonnance et puis l'acheter les médicaments. Venez, je vais vous faire ça rapidement. Je sais que tu es un garçon. Qu'est-ce que dans ça, il y a un garçon. Ah, où est-on? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça va, grand frère. Mais on ne te voit plus au damier là. Ah, ça va pas, mon frère. Ah, tu as Furon? Oui, tu es malade. Ça me fait mal, hein? Très mal, même. Furon, là. Mais tu n'es pas quitté à l'hôpital? Si, je viens de l'hôpital. Mais le docteur t'a dit quoi? Ah, il a enlevé la tête. Tu es de Furon, là? Non, c'est quel Furon, ça? Ah. Ah, mais quelle tête tu parles? Il a enlevé la tête de Bakary Koumba, là. Ça, là? Oh, ouais, il y a quoi? Donc, à ton âge? Ça là, à 45 ans, on n'enlève plus. À 45 ans, si tu l'enlèves, ah mon frère, tu peux mourir. C'est pas... Mais comment on a déjà enlevé, comment il veut mourir? Non, c'est déjà quitté. Ouais. 2 mois, c'est fini. Tu ne fonctionneras plus. Tu es mort en bas. Je m'appelle, hein. Mais attends. Mais c'est... Donc. Mais le docteur m'a pas dit ça. Non, quand j'ai parti, il n'a rien dit même. Il n'a rien dit? Enfin, il a dit, c'est un peu grave, mais... Ah, je t'ai pas dit. T'es foutu. Tu es mort en bas, c'est fini. Hein? Tu es mort en bas. Tu es retraité. C'est à la retraite directe. À 45 ans, on ne coupe plus cela. Sinon, c'est fini. Wente. Pourtant, c'est fini. Oui. Tu as envoyé le gardien? Le gardien? Oui. Tu lui as donné 100 francs pour aller payer le coup. Ouais. C'est toi là? Il est parti. Il est parti. Il n'est même pas là. Tu dis que c'est 42 500. Oui. Je peux avoir 1000 francs ce matin-là, pour manger à midi. Mais je vais gagner ça au matin.
Oh, mais tu sais que... Oh, non. Quand même. On est combien aujourd'hui? C'est que... Poyel, là, le type, là. Ah, celui-là. Ouais, le type, là. Non, mais nous, de toute façon, ça... Ah, je t'ai pas dit, hein. J'ai dormi chez lui hier même. Et il dit quoi? Non, mais le gars, il déconne maintenant. Hein. En tout cas, il déconne. Moi, ça m'étonne, tu avais dit qu'il est gentil. Ouais, il est gentil, mais il déconne. Il déconne, hein, franchement. Lui. Donc, il n'y a rien même. Enfin. En tout cas, je compte sur toi ce soir. Là. Non, 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 il n'y a pas de problème. Bon, pour le moment, je peux te donner 15 000. 15 000? Ouais. Merci. 15 000. Parce que tu sais, maintenant, il commence à diminuer le prix. Hein. Vraiment. Il faisait une bouteille à chose. L'homme là aussi, il... Non, mais le gars, il déconne. Il change, hein. Il déconne. Ah. Bon, après il faut me suivre. D'accord. Je vais voir dans le magasin. D'accord, d'accord. Il est trop là-bas. D'accord, d'accord. Bazo. Ouais. Il te coupe, hein. Tu dis quoi? Il te coupe. Tu as attendu quoi? C'est ça, tu veux me cacher là. Ça là. Moi, je fais ça. Oui. Là, il prend, il va faire les business, et puis il vient et te donne un peu. Ah, c'est moi, il me plaît. Hein. Donc, tu as attendu, c'est quoi la vie là? Je suis au courant des affaires, mon cher. De toute façon, tu es déjà au courant, tu es mon ami. Oui. Il faut que ça arrête tranquille. Ah, mon cher, moi, je ne pas. Non. Moi, faut te plaindre. C'est des droits, hein? Partout, on t'a cherché à bouffer. Ah, mais quand ça va pour lui aussi, ça va sentir. Et puis, le gars là. Ah, mais vas-y, je vais te dire. Tu es dedans aussi. Moi? Chef, hein? T'as vu les deux là? Quoi? Les deux là. Bazo, puis Wotan là. Ah, ils font quoi? Non, c'est pas moi qui ai dit, hein. Mais ils ont travaillé hier, non? Oui, mais il dit, moi, c'est pas moi qui ai dit. Chef, ce qu'ils font là, un coup dans lequel ils sont là. Ils font quoi? Un coup dans la société. Mais où t'as vu? Wotan, c'est un doyen. Hein? Voilà, c'est le plus ancien parmi les anciens. Mais quel salaire gagne-t-il? Mais ils prennent les produits et puis ils ont vendu. Il fait quoi? Ils prennent les produits là et puis ils ont vendu dehors. Voilà pourquoi je veux dire qu'il fait sortir des cartons. Des cartons même. Des cartons. Donc ils volent. Ils volent. Ah. Moi, c'est pas moi qui ai dit, hein. Mais j'ai vu. Ils volent des cartons. Ils volent des cartons. Ça là, ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Hein. Hier, il avait 12 cartons. Aujourd'hui encore. Il a plus de sortir. Il a pris 12 cartons. 12 cartons. De parfum. Tout. Ça, je vais voir le chef. Parce que là, il invite la fille à tout aller manger à midi. Chaque midi. C'est ça, tous les midis, il invite toutes les filles de la société à aller manger. 10 filles. Ils vont manger comme ça? Oui, et Bazo. En tout cas, je vais voir le patron. Parce que. Pourquoi 10 ça va continuer de nous serrer aussi. De toute façon, il fait mal à la gare, il vole. Vous voyez? Chef, vous voyez? Non, ça va, je vais voir le patron. D'accord. Chef, ne dis pas mon nom. Monsieur le directeur, je suis venu vous voir ce matin. Parce que ça fait plusieurs fois. Qu'on signale Wotan qui est le doyen de la société. Tous les soirs, il ne fait qu'à faire sortir des cartons. Il vole des cartons tous les soirs, même midi aussi. Bon, vieux foulard, je te remercie de venir me prévenir de cet incident, quand même qui est très grave, effectivement. On va prendre les décisions qui s'imposent, et puis c'est tout. Il y en a marre. Merci. Bon, Wotan, on m'a appris que vous avez volé et que vous volez tous les jours. En conséquence, je vous licencie immédiatement sans paiement d'aucune indemnité. Voilà votre lettre, voici le double. Voilà votre lettre. Mais depuis... Il n'y a pas à discuter. Mais ça, c'est combien là? Au nom de Dieu, depuis... Mais ça fait... Mais ça fait près de 30 ans que je suis dans la société. Qu'est-ce que je peux voler ici? Est-ce que tu sais qui c'est qui t'a dénoncé? Mais je ne connais pas. Ah, mais c'est ton ami, hein? C'est le chef de chaîne avec qui tu marches tout le temps. Non, c'est vieux frère qui peut faire des choses comme ça. Voilà. C'est vieux frère qui peut faire des choses comme ça. Donc le gars, il rit avec moi, il fait comme s'il m'aime, mais il ne m'aime pas. Mais il t'aime pas. Ça, au nom de Dieu, ici. S'il n'est pas tel lépreux, c'est pas moi. Je m'en vais. C'est pas bien, mais le directeur, il me voulait son compte aussi. Est-ce que mon ami, la Jean-Marc, n'est pas passé parce qu'il devait me remettre un chèque là? Non. Il n'est pas venu. Non, il n'est pas venu. Entrez.
En tout cas, ce qui est là, on rapporte là, il va voir ça. Le voilà là. Mettez tout ça là. La presse. Monsieur, tu voyages ou quoi? Oui. Si tu sais que tu as le passeport qui m'a donné au travail là-bas, c'est son voyage qui est fait. C'est-à-dire? Non, mais tu vas nourrir tout cela. C'est pas là que tu as fait un rapport, on m'a renvoyé au service là. Ah, donc, ben c'est ici qu'on va dormir. Mais non, moi je ne peux pas accepter tout ça. Hein. Ah, si, je ne peux pas accepter tout ça. Vous allez accepter, hein? Ah, c'est rien. Venez vous t'asseoir. Ça ne m'a pas dit de la tête. Mais c'est quoi tout ça? Mais écoutez, asseyez-vous. Est-ce que tu n'es pas malade par hasard? L'homme qui est malade là, c'est ça comme ça il est. Hein? Donc on t'a renvoyé. Toi, tu t'as fait rapport au service là. Regardez-moi tu t'as vu le directeur. Tu dis, moi j'ai volé les cartons de papier. Non, ça. Et on me renvoie. Ça, aucun droit même. Parce que je t'ai dit d'aller voler. Attends, c'est toi qui lui as dit. Non, ça me surprend. Non, mais si tu te dis d'aller voler, comme il ne s'était pas envoyé, c'est pourquoi tu allais voler. Non, quand même. En tout cas, viens foula, tu vas nous nourrir jusqu'à tant que je n'ai pas eu du travail. Donc à ce moment, on va vous laisser la maison. Non, on va déménager. On va déménager ensemble. Ah bon. Mais ce n'est pas possible. Comment on te renvoie dans la société parce qu'on travaille ensemble. Ah, alors tu prends ta famille, tu débarques chez moi. Viens foula. C'est la secrétaire qui m'a dit que c'est toi. Vous êtes trop. En tout cas, on ne peut pas. Même s'il est mort, on ne peut pas vous accepter. C'est ça, en tout cas, vous avez eu aujourd'hui. Cher ami, si tu as fait ta connerie, on t'a. 4, 5, 6, 7, plus ou moins 8. C'est ça que vous allez nourrir. Même s'ils sont 10. D'accord. Donc c'est une jalousie. Ah, ça, même si je parle même. Tu es jaloux? Tu es jaloux de moi? Parce que je suis dans ma villa. Donne-moi là. Si je parle trop même, c'est ça. Ah, mon cher, si tu veux, tu peux aller dormir dedans. Hein. Il y a des chambres. Mais ce qui est sûr, nous, on va vous laisser la maison, ma femme et moi. Ah. Parce que nous n'allons pas vivre ces conneries là ici. Si je parle trop, c'est que vraiment, ce que tu dis là, je comprends. Tu peux dormir, hein? J'ai des amis qui vont venir me voir, c'est des blancs. Ils ne vont pas vivre ce scandale. C'est toi qui as fait des blancs? Moi, je n'ai pas fait de blancs. Là, ça va. Viens, allez, on est là. On est là, on ne bouge pas. Je ne vous amène pas. Si on va marcher, c'est si on va dormir. On ne peut pas vous accepter. Nous, on est là. On ne bouge pas d'ici. On bouge pas d'ici. On ne bouge pas. Allez bouger. On ne bouge pas. Si vous voulez qu'on fasse karaté ici, ça, c'est ça. Karaté? Vous allez bouger. Ton mari me connaît. Oh, mais Charles, il me connaît. Il peut te frapper. C'est pas parce que tu es gros. C'est pas avec moi qui a fait ça. C'est pas avec moi qui a fait ça. Attends, moi j'étais. C'est pas avec moi qui a fait ça. On ne dit pas ici. Ton mari me connaît. Il me connaît. Attention. En tout cas, moi, je ne suis pas ici. Hein.